Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, pour vous montrer ma sélection de colos pour les mois de mai et juin. Je suis contente d'avoir fait ce choix de faire des petits challenges parce que ça me permet de faire des vrais packs. Alors qu'avant, quand je suivais le challenge des autres, ben, j'avais pas le plaisir de feuilleter mes livres et de choisir un petit peu les colos que j'avais envie de faire. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colos. Je pense que ça me suffira. Je sais qu'au minimum, je peux en faire 4 à 6 par mois. Donc on est avec 12, on est vraiment, je pense, au maximum de ce que je vais faire. Donc, je pense que ça ira. Donc, ce sont des colos dans le thème que j'ai pioché au hasard. Donc, les livres à entamer. Vous savez, moi, la plupart de mes livres sont à entamer. J'en ai énormément. Je voulais regarder pour vous dire à peu près combien de livres j'avais à entamer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas mis l'application BuddyColo à jour, donc je ne sais pas trop. Je préfère y aller un peu à l'aveugle et quand je sentirai que j'en ai avancé pas mal, je ferai peut-être un petit point un jour. Voilà. Entre-temps, bah oui, comme j'ai mis du temps pour filmer cette pack, là on est jeudi le 4 mai. Je voulais pas commencer les colos sans avoir fait la pack. Du coup, j'ai déjà. J'ai voulu faire un petit colo entre. Donc, il y avait un colo dans le season que je voulais faire encore pour les mois de mars et avril. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire, ça me fera un entre-deux. J'avais envie de colorier, mais sans entamer ma pack du mois de mai. Donc, j'ai commencé le colo des petites fraises. Voilà, j'avais trop envie de le faire, celui-là. Je vous avoue que j'étais un peu déçue par les feuilles. Elles étaient vraiment pas détaillées, il n'y avait pas de nervure, il n'y avait vraiment rien. Je sais pas si je vais vous trouver l'équivalent. Mais du coup, c'était pas facile de choisir la mise en couleur. Non, je vous trouve pas d'équivalent, mais ouais, les autres, elles ont au moins des nervures ou au moins un petit peu quelque chose. Hop. Là, c'était vraiment les grandes zones de trois feuilles avec rien. Avec juste des petits points comme ça. Mais bon, ça nous aide pas trop. Ça nous dirige pas trop dans le colo. Du coup, je suis allée voir un petit peu ce que je trouvais comme modèle de feuilles. Et puis, je vous avoue qu'elles sont toutes un peu différentes. J'ai testé plusieurs petites choses. Donc voilà, faut encore que j'ombre les petites fleurs blanches qui sont trop, qui ressortent pas assez à mon goût. Et faire les petites graines et les petites fraises, peut-être ajouter un petit peu de vert dans les fraises et dans les graines. J'ai aussi fait du coup, tant que j'avais choisi mon combo, la petite fraise sur ce côté-là de la page. Et puis je pense que quand je ferai les papillons, je reprendrai au moins le papillon sur la page d'à côté et c'est tout. Les diamants, je ne sais pas si je vais les reprendre. En tout cas, les diamants, je sais déjà que je veux les faire un vert très pâle, vous savez, comme des fraises pas mûres. Parce qu'au début, je voulais faire des fraises mûres et des fraises vertes qui ne sont pas encore mûres. Mais vu comment elles ont été dessinées, elles ressemblaient toutes à des fraises mûres et pas mûres, sont beaucoup plus petites et ont beaucoup plus de graines. Après, c'est vrai que j'aurais pu dessiner plus de graines et j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de faire les petits diamants en vert clair d'une fraise pas mûre pour les intégrer au colo. Voilà, donc celui-ci, je vais le continuer tranquillement et quand je l'aurai fini, j'entamerai la nouvelle pack. Alors, j'ai aussi débuté mon grand classique tome 3. Comme je vous ai dit, j'ai fini le 1 et le 2. Et donc, j'ai déjà entamé celui-ci. J'ai déjà fait le premier. Voilà, c'est un petit aperçu. Alors, rien à voir avec les deux premiers tomes. Déjà, là, après toutes celles qui les ont depuis longtemps, doivent savoir les particularités des uns
et des autres livres. Moi, j'ai pas trop fait attention à tout ça, j'ai pas trop suivi. Donc le dessin est vraiment, on n'a pas accès à la fin du dessin. Au niveau de la pliure, on ne peut pas l'ouvrir autant que l'autre. Ou alors c'est des dessins qui sont faits sur une zone. Ouais, les dessins sont plus larges. Donc vous n'avez pas trop accès ici. J'ai l'impression que quand on plie, j'ai peur que ça se coupe à un moment donné. Ça a l'air un petit peu fragile. Et voilà, pour l'instant, c'est la seule différence que j'aurais vraiment remarquée sur ce nouveau livre. Donc celui-là, j'avancerai tranquillement, je n'ai aucun objectif dessus. Mais voilà, du coup, il fait partie de la pack pour les deux prochains mois. Après, alors j'ai fait trois piles. J'ai fait une pile des livres que je suis sûre d'entamer parce qu'ils font partie d'un challenge. Les livres qui faisaient partie de ma pack que j'avais vraiment envie d'entamer. Et après, je me suis mis des petites choses bonus en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc, pour le challenge du mois de mai, oui, c'est ça, de la chaîne Colofab, elle a tiré au sort un coloriage dans le Flora. Du coup, je suis très contente parce que j'aime beaucoup suivre son challenge et... Flora, c'est un livre que je n'ai pas entamé, donc il fait partie de mon petit objectif personnel. Et donc, l'illustration qui a été choisie, c'est celle-là. J'avoue que je suis assez contente dans les colos que j'ai choisis parce que d'habitude, je triche un peu, je vais un petit peu à la facilité en choisissant des colos un peu plus simples des livres. Et là, j'ai essayé de ne pas faire ça. Voilà. Bon là c'est pas moi qui l'ai choisi, mais pour les autres je veux dire. Donc voilà, cette illustration elle est assez complexe. Elle est assez complexe parce qu'il y a l'effet eau à faire, l'effet rocher. Elle me fait un petit peu peur, mais bon, j'aimerais bien la faire un petit peu sur le même thème que l'autre que j'avais fait dans le Twilight Gardel, un petit peu avec la même façon de mettre en couleur. C'était une mise en couleur de Chris Cheng que j'avais repris. Et je trouve que ça... Voilà, c'était celui-là que j'avais fait. Et donc, je vais voir si je ne vais pas reprendre un truc similaire pour le tronc d'arbre, pour l'eau. Enfin, l'eau, je ne vais pas la faire couleur marécageuse hein, parce que la pauvre, elle ne se baigne pas là-dedans. Et au niveau du feuillage, je ne sais pas. Je vais essayer de reprendre cette façon de colorier en tout cas. Voilà. Ah mais non, finalement, il n'y en a qu'un que je veux absolument faire. J'ai mal trié les livres, attendez. Là, je garde pour après. Ensuite, il y a les livres que je veux vraiment entamer. Donc, je voulais absolument entamer les nouveaux de Hannah Carlson parce que j'en ai entamé aucun. Du coup, je suis allée sur mon préféré, le Witch Cottage, et j'ai sélectionné. Là, je redécouvre parce qu'avec ma mémoire, je ne sais même plus ce que j'ai sélectionné. Ah oui, j'allais dire ça, non mais pas du tout. J'ai sélectionné celui-ci. J'adore faire les pommes. Et je voulais faire celui dans le... Oh là là, dans le... Emily Lidl-Auberg. C'est plus le nom du livre. Bref, il y avait une pomme, j'avais envie de la faire. Finalement, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'en ai retrouvé une. C'est parfait. Je trouve que tous les éléments sont sympas à faire. Et je trouve très jolie. Voilà. Je ne suis pas partie sur une de mes pages préférées. Je ne sais pas, parce qu'elles ne sont pas trop sur le thème du printemps, finalement. Ouais, la page avec la sorcière, avec les citrouilles, c'est pas trop printemps. Celle-ci, je la trouvais sympa. Et puis un fruit et une grenouille, ça fait un peu printemps quoi. Voilà pour celui-là. Après, je voulais entamer un livre de Charles Santor. Pareil, j'en ai entamé aucun. Donc je suis allée plutôt dans un des formats A4 que les grands. Je me dis pour démarrer, c'est mieux. Et puis celui-ci, il n'a pas de thème particulier comme les autres. Les autres, c'est des contes.
ou des histoires pour enfants. Celui-ci, c'est celui sur les fables. Et j'adore les illustrations. Donc j'ai envie de démarrer celui-ci. Et j'ai sélectionné l'image que je préfère, c'est celle du lion. J'ai trop hâte de les faire parce que, en fait, les illustrations mises en couleur m'ont l'air tellement compliquées. Et finalement, quand je vois le trait et les ombres, ce sera facilité par les ombres. Facilité. J'adore dire ça parce qu'après, c'est là où je vais passer. Je vais m'énerver, je vais passer des heures dessus. Voilà, ouais, donc j'ai trop envie de faire ce petit lion. J'ai hésité avec celui-ci que j'aime beaucoup, celui de la couverture, avec le hibou. Ouais, j'adore aussi. Ce sera sûrement le deuxième que je ferai. Voilà, pour l'instant, je trouve que, à part dans le floral, ils sont plutôt sympas. Ah, ben voilà, j'ai pas du tout trié comme il fallait. Celui-là, ça fait partie d'un challenge que je veux absolument faire aussi. Je voulais entamer ces petits livres chinois. Je voulais commencer par le premier, mais finalement, j'ai choisi celui-là parce que le thème du Tagoïnk des 2 mois qui suivent, c'est de faire un colo sur ses peurs. Donc, du coup, moi, je voulais illustrer la peur du rejet et de se retrouver seule. Et du coup, j'ai choisi cette illustration. Il y en avait aussi une autre que j'aimais bien. Attendez. Je cours, je cours. Alors, il y avait aussi celle-là que j'aimais bien. Mais je trouve l'expression de la petite fille n'exprime pas assez. Celle-ci, on voit vraiment qu'elle est pensive. Ouais, ça fait. Je trouve que ça colle mieux au thème. Donc ouais, celui dans le flora et celui-là, je pense que c'est les deux que je ferai absolument. Vais déjà me les mettre. Je me les mets toujours dans un certain ordre pour être sûre. De pas me louper, de me dire mince, il fallait que je fasse celui-là. Voilà. Ensuite, je veux en faire un absolument dans un Airy, toujours pareil, j'en ai commencé aucun. Du coup, la vidéo tag sur les favoris des artistes, ça m'a quand même permis de repérer mes livres préférés. Donc, c'était le tome 2 que je préférais et donc je suis allée voir un petit peu. Quel colo j'allais faire. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Bon, on reste toujours un petit peu dans le thème printemps, hein, c'est ce que j'ai envie de colorier, hein, finalement. Moi qui pensais pas aimer colorier par saison, et ben finalement, c'est ce qui me donne le plus envie. Ouais, donc j'ai refaité plusieurs fois et en fait, ouais, j'aime bien celle-ci. Il n'y a pas trop de façade, pas trop de choses qui pourraient m'embêter. Et puis j'ai franchement, je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ma colorisation sur du Airy. Ça me rend vraiment perplexe. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si du coup le fait de passer au crayon sur ces lignes claires, ça va faire comme s'il n'y avait pas de bord à la fin. Si automatiquement ça va me faire un aspect détouré. Je ne sais pas du tout. Donc on verra. En plus, je crois qu'on ne peut pas trop utiliser l'aquarelle dans le Airy. Donc, ouais. On va tester ça. Ensuite, un autre livre que je voulais commencer, c'est un Wonderful Little World. Donc c'est pareil, j'en ai pas fait. Mon préféré, c'est le tome 2. Et je crois que j'ai sélectionné le tout premier colo. Ouais, c'est celui-ci avec les petits hérissons. Je le trouve trop mignon. Et avec l'escargot. Il y a beaucoup d'éléments. Mais je pense pas qu'il sera si long que ça. Parce que le papier est très lisse et.
Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça ira plus vite parce que le papier est lisse. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai. Voilà, c'est encore des livres que j'hésite encore à savoir si je les garde ou pas. Je vais en tester un et puis je verrai ce que ça donne et si je prends plaisir à le faire ou pas. J'ai tellement de livres que j'ai. Dès que je commence à hésiter un petit peu, j'essaye de m'en séparer pour pas en avoir de trop. Mais ceux-là, je pense qu'ils peuvent me plaire. Oh, faut que j'essaye et puis je verrai bien. Ensuite, voilà, donc là, c'est les principaux. Il y en a 6, 6 colos. Donc je pense que ça, c'est largement faisable, que je veux vraiment faire. Et après, on va dans les colos un peu bonus. Alors, dans les colos un peu bonus, j'ai vu que pour le Blue Link de Morgane, un des deux colos tirés au sort me plaisait beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, dans les Clara, moi, ce que j'aime, c'est pas trop les personnages, c'est plus tout ce qui est petits éléments. Fruits, bonbons, fioles, toutes ces petites choses. Et du coup, l'image sélectionnée le mois précédent, alors je ne sais pas s'il y en a un mois ou 2 mois, le mois précédent avec le lapin, ça ne me tentait pas trop, voilà, parce que les animaux et les personnages ne me tentent pas trop. Mais du coup, celui-ci, vraiment un coup de cœur. J'adore les fioles, là, le fait de faire ce petit jus, les bonbons, les fruits, j'adore faire les fruits. La maison, alors je sais pas. Ouais, la maison, tout ça, je sais pas trop encore comment faire. Des murs de maison, ça, j'ai pas vraiment fait encore. Faudra que je regarderai des. Je sais pas ce que je regarderai, mais. Je regarderai des images de murs, de murs de maison, et je verrai si j'arrive à m'inspirer. Ouais, donc celui-là, je me le suis quand même sélectionné parce qu'il me tente beaucoup. Ça me permettrait d'entamer donc ce Clara aussi, qui n'est pas encore entamé. Et ouais, je sauterai sur l'occasion de ce magnifique colo de sélectionner. Après, c'est pas parce que j'aime moins les pages à personnages que je prendrai pas plaisir à les faire. Hein. Celle-ci, j'aime bien aussi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Le Clara. Ensuite, ah oui, alors j'ai toujours dans mon Kincaid parce que livre à entamer, vu quand j'en ai commencé un mais que je ne l'ai pas terminé, pour moi, il n'est toujours pas entamé, puisqu'entamé, c'est à partir du moment où je finis un colo. Donc j'avais commencé ce colo d'Aladin et je me dis que ce serait éventuellement le moment de le terminer. Et du coup, il ne me reste pas grand-chose et ça permettrait de valider un colo supplémentaire et d'avoir enfin ce livre complètement entamé. Donc voilà, en plus j'ai commencé au Prisma, j'ai pas du tout aimé le papier, donc je peux peut-être faire la deuxième partie, tester les polychromos dessus et puis voir ce que ça donne. Voilà, c'est qu'une moitié, mais ça en vaudra un entier au niveau du temps passé dessus. Voilà pour le Kincaid. Après, j'ai toujours le Poupelle que je veux entamer. Mais je sais pas si je me le garde pour quand je piocherai le thème des colos compliqués à faire. Mais en même temps, j'ai dit que je voulais l'entamer cette année. C'est dans mes objectifs de l'année. Donc, je me suis sélectionné une illustration pas trop compliquée. Hein. Au début, j'avais dit que je ferais la toute première en plusieurs étapes. Donc, celle-ci. La réaliser un petit peu chaque mois, mais j'y arrive pas. Donc, du coup, je me suis dit, allez, si je dois faire un colo en entier, je vais en choisir un qui me paraît accessible. Et donc. Voilà, je me suis dit, celui-là, il me paraît accessible. Donc, je pense que je commencerai par le personnage et je verrai bien si ça me plaît ou pas, ce que je suis en train de faire, et si ça me convient ou pas. Et voilà, et après, il faudra que je me prenne un peu la tête sur le fond.
Ouais, les autres me paraissaient un peu trop complexes. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Je pense que le personnage sera très agréable à faire. Ah, mais le fond, j'avais même pas vu que le fond, il y avait toutes les zones prédéfinies. Alors, attendez, je me lève juste pour voir si vous voyez bien. Oui, vous avez toutes les zones pré-entourées, prédéfinies. Ça correspond aux zones un peu rouges et en fonction de la couleur, ça vous prédéfinit les zones. Alors, je ne sais pas si ce sera, si c'est un avantage ou un inconvénient. Ça, je verrai en faisant. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai encore trois. Alors, j'en ai un que je voulais vraiment faire. C'est entamer le... C'est le printemps, celui-ci, de Rita Berman. Et il y avait une illustration voilà, que j'avais déjà sélectionnée les mois précédents, que je trouve très jolie. Et voilà, ça me fait les personnages, ça fait tout de suite penser au début du printemps. Et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dessiner des personnages. Même là, la double page, elle me tente bien en fait. Je trouve ça très joli. Donc ouais, je me la suis gardée. Je me la suis gardée du coup pour ces mois-ci, puisque c'est un livre que j'ai pas entamé non plus. Ouais, elle me donne envie en tout cas. Après, j'ai le livre de Hannah Carlson, le Summer Night. Alors, je sais pas trop pour le Summer Night, je crois qu'il y a plusieurs groupes qui le font. Mais je ne sais pas où j'ai vu. Sur quelle vidéo j'ai vu, je ne sais plus. La personne qui disait que le colo sélectionné était celui-ci. Et en fait, il m'a tapé dans l'œil le colo. Je l'ai trouvé super beau quand elle l'a montré. Et je me suis dit, bah, tiens, je ne l'ai pas commencé mon Summer Night. Et pareil, comme pour le Clara, bah, l'illustration, elle me tente beaucoup. Comme j'aime beaucoup dans Clara l'illustration avec le flamant rose, et ben, du coup, celle-ci, elle m'y fait penser. Et ouais, j'aime bien les différents éléments, j'aime bien le personnage aussi. Avec le petit chemin et l'oiseau, ça me tente bien. Du coup, je me suis dit, bah, je me le sélectionne et puis je verrai si je l'entame. Alors, par contre, on en parle de cette page où on sait vraiment pas ce que c'est là. Je sais pas ce que c'est ces petites baies là. Voilà. Et un dernier, j'ai les petits livres japonais, vous savez, ceux avec la petite souris, le petit ourson, et le petit chat. Il y en a un quatrième avec des petits lapins. Je ne l'ai pas encore commandé, je l'ai dans ma wishlist. Alors, je l'ai dans la wishlist Amazon Japan et Decomade. Il est sur les deux sites. J'ai vu que ça me revenait moins cher sur Amazon Japan. Au niveau des frais de port, par contre, les frais de port, ça reste élevé. Alors que je sais que quand vous commandez sur Amazon Japan, alors je ne vous conseille pas, bien sûr, pour les raisons que vous savez. Mais moi, je décide quand même de le faire pour ces livres-là. Amazon Japan, si je sélectionne deux ou trois livres, ça ne me changera pas beaucoup les frais de port. Donc, quand vous en prenez qu'un seul, ça vaut vraiment pas le coup. Vous avez les frais de port qui sont au même prix que le livre, quoi. Donc, il vaut mieux en prendre plusieurs d'un coup. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas commandé. Voilà. Je commanderai si un jour il y a d'autres sorties ou j'ai d'autres envies. Peut-être que je le prendrai sur Decomade s'il y a un autre livre qui sort sur Decomade et qui m'intéresse. Mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas encore pris. Donc ça m'intéresserait bien d'en commencer un des trois. J'ai choisi celui de la souris parce que moi c'est mon gros coup de cœur, cette petite souris qui dessine, qui peint, qui se balade. En plus il y a les quatre saisons, j'adore ce livre. Je vous avoue que j'ai pas encore sélectionné le colo, bien sûr j'aimerais un colo sur le thème du printemps. Il y en a un qui me plaît beaucoup, mais j'hésite encore. Vous voyez, je compte pas en faire un trop complexe. Mais il y en a des très jolis. Je regarde juste si ça filme encore parce que j'ai changé
J'ai changé mon programme pour filmer. J'ai remarqué que l'autre programme ajustait constamment la couleur. Je pense que vous l'avez vu en fonction de ce que je faisais. Donc là, j'en essaye un autre. J'en avais un autre programme qui me coupait la vidéo toutes les 5 minutes. Celui-là, ça a l'air d'être le bon. Et un autre qui me faisait des mises au point toutes les secondes. Donc voilà, on va y arriver, hein, on va trouver ce qu'il faut. Ouais, du coup, il y en a des très simples qui font très printanière, comme le petit oiseau avec les petites fleurs là de cerisier ou autre. Hein. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. J'ai dit que je voulais pas forcément faire des trop simples. Hein. Celle-ci, je la trouve bien. Il y a une composition. Vous avez les petites fleurs. Vous avez quand même le cadre. Il y a quand même pas mal d'éléments. Et j'aimais bien aussi. C'était laquelle? C'était celle-ci. Aussi avec tous les petits éléments, j'aime bien. Voilà, ça, cette double page, ça ira pour le thème double page. Hein, je ne vais pas me lancer là-dedans. Ça aussi, ça peut être sympa. Voilà, là, on est à Pâques. Donc, c'est pas trop dans ce que j'ai envie de colorier. Ouais, là, ça fait déjà beaucoup plus été. Hein, là, J'ai vu, on est passé dans l'été. Mais ouais, peut-être cette page-là. Une de ces deux pages. Tuc, tuc, tuc. Alors, j'avais acheté des post-it hein, chez Emma. Des super post-it, tout jolis. J'étais tout trop contente de les mettre dans mes livres, mais les post-it ne tiennent plus. Voilà, de nos jours, on crée des post-it qui ne tiennent pas. Comme on crée de la colle qui ne colle pas et comme on crée plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc je suis revenue à l'ancienne avec mes petits papiers de chez Action découpés. Voilà, j'ai ce qu'il faut et c'est bien plus pratique et au moins ça reste. Ben voilà, j'ai terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai terminé la pack des 12 colos que j'ai envie de faire, du grand classique que je vais continuer de commencer. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder avec moi tous ces jolis livres et que ça vous a donné envie. Je vous souhaite de faire de bons colos, de profiter des beaux jours là qui arrivent. Ça fait trop plaisir et je vous avoue que dès que je vais éteindre cette caméra, je vais aller dehors. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai peut-être un petit bilan fin du mois pour vous montrer où j'en suis. Ou pas, je verrai bien en fonction du temps que j'arrive à accorder à ces vidéos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous!